Nouveau contrat à la une, ça se passe à Paris, ça s'appelle Love Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Dans ce contrat, nous avons une cible à éliminer au fusil à pompe et avec notre costume de base. Alors en termes de préparation, on va s'infiltrer en smoking dans la salle des enchères, en objet de contrebande dans le grenier, on va se mettre notre fusil à pompe silencieux équipé de pièces de monnaie. Alors on est juste à côté de notre cible, on va la tirer par une pièce. J'ai l'impression qu'il vient tout de suite, alors est-ce qu'il regardait dans la direction? Par contre s'il regarde pas dans la direction, soit vous attendez, soit vous pouvez tirer dans la fenêtre, très très proche de lui, sans lui tirer dessus bien sûr. Il va finir par voir la pièce. Un petit peu patient, on va s'occuper de lui parce que je pense qu'il y a des chances qu'il arrive à voir le corps, cette andouille. Alors pas à l'aller hein, le retour. Prendre absolument aucun risque. On va le neutraliser. Besoin de ça, je voulais la déposer pour faire diversion. Et maintenant on va chercher le fusil à pompe. Donc attention dans cette partie là vous avez des gardes du corps qui peuvent vous reconnaître. Voilà notre arme. Alors ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas le fusil à pompe avec silencieux, c'est tout de suite cacher le corps du serveur, tuer la cible avec un fusil classique, mais tout de suite cacher le corps. Alors par contre la grosse difficulté, c'est que depuis certaines mises à jour, la fenêtre qui est entre le corps et la penderie est translucide et peut voir à travers, donc il faut vérifier que les personnes ne regardent pas à travers la fenêtre. Alors il nous faut reprendre notre costume, voilà, tac, là nous avec le silencieux, il n'y a pas de souci. Alors pour ceux qui vont me poser la question de comment on obtient le fusil à pompe avec silencieux, bah c'est en augmentant votre niveau de maîtrise sur l'une des maps. Alors je l'ai plus en tête, là j'ai pas le droit d'aller, mais pour ceux qui ont augmenté leur niveau de maîtrise, pas de soucis, là on prend le bon chemin pour pas être embêté, on n'est pas fouillé. Alors il y a forcément des passages plus courts, là je vous fais le passage le plus safe. On n'est pas fouillé, pas repéré. Par l'entrée principale. Pareil, je pense qu'il y a moyen de ne pas avoir à immobiliser le serveur en allant vite et en le distrayant. Encore une fois, là je vous ai fait la version la plus safe possible. Voilà, assassin silencieux. Forcément, c'est pas le plus rapide.